Salut les amis, bon ça y est, je suis de retour. Bon bah le temps c'est pas ça, hein. Il pleut des cordes, mais ça retient pas un Normand à la baraque, hein. Vu à défaut de pas pouvoir bosser en extérieur, et ben on vient détecter, hein. Donc là ça fait 5 minutes que je suis là-dedans, bon c'est un peu la broussaille, hein. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit chemin, mais sinon c'est la broussaille. J'ai déjà fait une balle de mousquet que j'ai pas filmé parce qu'il pleut à verse, donc sortir l'appareil. Et là du coup j'ai un bon petit son. Alors, on va le sortir du trou. Je sais pas si vous avez bien voir. Voilà. Vous avez vu ma nouvelle intro, hein, sur ma vidéo sur une indulgence, c'est ma première. Donc, c'est quoi ce truc? C'est lourd. C'est un plomb des croisades, hein. C'est bizarre. C'est bizarre ce truc. Je ne sais pas ce que c'est. On va essayer de faire une petite mise au point, vous pouvez essayer de voir. On va essayer la envie parce que vu qu'il n'y a rien à voir, c'est quand même bizarre ce truc. Je sais pas, c'est du plomb. C'est du plomb qui est coupé en croix. Donc je sais pas. Enfin, voilà. Bon bah je reprends mon petit garrette et puis bah je vous reprends pour de nouvelles aventures. Bon allez, à tout à l'heure les copains. Salut les amis, bon bah je suis parti de la forêt, hein. Les petites maisons en bas. Là il y a une entrée d'un champ là, mais bon j'ai pas le droit d'y aller. Donc j'y vais pas, donc je vais dans ce petit chemin là. Et puis bah, dans l'entrée, mais bon souvent c'est de la merde dans les entrées, mais vu que j'ai rien trouvé depuis une demi-heure, je me dis ça coûte à rien d'essayer. Et un petit son ici, et je l'ai, il est à 5 cm. Bon, voilà, il est juste là. On va éteindre ça. Il est à 5 cm, donc ça va pas être folichon, folichon, mais on verra bien. Ah bah, il est là. Il n'y a même plus besoin du pro-pointeur. Une petite tranche cuivrée. Bon, bah, je penserai à une 5 centimes. Même pas, vous voyez, on dit que les entrées sont polluées et tout, et ben c'est même pas une 5 centimes, c'est écrit 20. Alors je vais essayer de vous montrer. Il veut pas faire la mise au point, certain. Bah alors, Coco? Bon, bah, vous voyez, hein, c'est écrit 20. Je vous ferai une belle petite photo. Il veut pas faire la mise au point. Et derrière, il y a un petit dessin. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est dommage qu'il ne fait pas la mise au point. Je vous montrerai ça en photo juste après. Et comme ça, vous serez. Même moi, je sais pas. Je vais essayer de vous abandonner 2 secondes. Alors c'est une pièce de 1969, donc elle n'est pas très vieille. Donc bah, vous verrez ça au nettoyage. Allez, à plus les copains. Salut les amis. Bon, j'ai pas bougé, hein. Mon premier trou, il était là-bas. J'en ai refait un là, un morceau d'alu. Et ici, c'est sorti. C'est sorti du trou, hein. Par là, donc on va faire en direct live de la motte. Ah, je sais pas si vous allez voir ici là, la petite tranche là, regardez moi ça, ça a l'air d'être une non, je sais plus où aller, d'être du cuivre. Oh, elle est toute petite. Alors désolé parce que là j'ai les mains hyper grasses. Et déjà c'est un petit médaillon. Donc ça fait plaisir.
Et on va voir. Oh, il y a de beaux restes. Excusez-moi. Il y a de magnifiques restes. Je sais pas si vous allez voir. Avec la mise au point. Vous voyez, voilà. Elle est magnifique. Donc vous verrez une petite photo au nettoyage. Bon, ça fait plaisir, ça commence bien là. Bon allez, à plus les amis. Salut les amis, je suis au bout, hein. Je suis pas très loin, hein. J'ai dû faire 100 mètres, là. Ça fait un quart d'heure. Là j'ai fait un petit bouton, là. Un petit bouton, mais il n'y a plus rien dessus, donc je n'ai pas filmé. Et puis là, dans ce trou, il est sorti de la motte, et il est retombé dans le trou. Et c'est une belle monnaie déjà, un gros module, donc 10 centimes Napo ou 10 centimes CRS. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le nettoyer? Il a l'air savoureux. Hein. Comme dit, petite dédicace à mon petit Michoco. Hein. Il est mouillou. Il me fait marrer avec son mouillou. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a rien à en tirer. Hein. Et que dalle, on verra au nettoyage après. Hein. Et de ce côté-là, on voit une petite tête. Essayer de faire la mise au point. Allez Coco. C'est un 10 centimes Napo. 10 centimes Napo. Bon ben ça fait plaisir. Et puis sur ces belles images de non mise au point. Hein, c'est quand même chiant. Ah voilà. Là on voit la petite. Vous voyez la petite barbichoute là. Impeccable. Bon, de ce côté-là, il n'y a plus rien. Mais bon, c'est une monnaie quand même, ça fait plaisir. C'est mieux que des balles et des éclats d'obus et ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Bon, petit tour de paysage. Je vais aller m'aventurer là-dedans, là, et puis je vous retiens en courant. Les amis, j'étais là avec la 10 centimes Napo. J'ai fait des petites boules de métal autour. Enfin, des bouts d'alu. Et puis là, elle a failli se prendre un petit coup de pelle. Donc j'ai arrêté direct. Hein. Je fais pop pop, on arrête, on filme pour les amis qui nous regardent. Ça leur fait toujours plaisir. Et puis à moi aussi d'en sortir encore une. Ça fait du bien. Franchement, je suis trop content d'être sorti aujourd'hui. Tu vois, j'hésitais en voyant les tempêtes qu'il y avait partout en France. Là, je sais pas, on est le combien? On est peut-être le 4 février. Donc vous saurez de quoi je parle. Et celle-là, elle a l'air en meilleur état quand même. Donc pareil, hein. C'est un 10 centimes Napo. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point, s'il veut bien. Allez, Coco. Bon, je pense que c'est ce qui fera de mieux. Donc on voit bien le Napoléon. Et de ce côté-là, est-ce qu'on voit... Bon, elle est vachement encroûtée, quoi. Mais en tout cas... un 10 centimes Napo. Donc après vous verrez une petite photo au nettoyage. 1900, j'arrive pas à faire la mise au point. 1957 on dirait, 55. Ben voilà, ça fait plaisir au pied de cet arbre. Hein. Je me suis dit je vais tout tomber sur de la racine et ben même pas. Donc ça fait plaisir. Bon j'avance petit à petit, hein, en découvrant dans mon petit chemin. Petit tour des environs et à la prochaine. Amis, et comme ça me permet de voir ce que j'ai rigolé tout seul. Je vous ai dit c'était un arbre, et en fait vous voyez c'est pour ça que je suis tombé sur aucune racine. Par contre c'est ma première petite boursée. Il y a un deuxième Napo dans le trou, donc c'est pour ça que j'ai repris direct. Alors là ça fait plaisir, deux dans le même trou, c'est ma première fois, donc ça fait toujours plaisir. Un beau Napo, il a l'air en meilleur état en plus. Allez, voilà, petite mise au point, impeccable. Il a l'air en superbe état. Donc ça fait plaisir, petite boursée. Donc ça, je vais poser ça là. Vous voyez, elle est là, on la touche plus. Et puis on va regarder en direct, si jamais ça ressonne avec le pro-pointeur. Alors on va
utiliser le matériel de professionnel. Petite monnaie qui est là. Non, ça sonne plus. Bon, bah c'est pas grave, on pourra espérer une autre fois, mais en tout cas ça fait plaisir. Petite boursée, ça fait plaisir. Petit napeau. Bon, je vous reprends à la prochaine trouvaille. Salut les copains, bon, ça fait une petite demi-heure qu'on s'est pas parlé. Donc c'est sorti de terre, enfin une petite monnaie, parce que là je fais que de la merdouille. Bon, elle a l'air, ça vaut, hein, de toute façon. Mais bon, c'est une monnaie quand même. Ça fait plaisir. Même si c'est ça vaut, c'est mieux que des cartouches. Donc voilà. Bon, bah, je m'attarde pas là-dessus. Déjà qu'il veut pas faire la mise au point. On verra en nettoyage s'il y a des restes. Allez, à plus les copains. Amis, bon, bah là, j'arrive en bout de chemin. Donc je repars en arrière, là j'ai fait des petites merdouilles, des balles et tout. Hein. Moi j'ai la poche, elle est pleine. Hein. Je vous filme pas tout. Parce que sinon ça sera trop long. Donc là j'ai trouvé cet objet. Alors me demandez pas ce que c'est, je dirais un genre de robinet ou une pipe avec le manche qui repartirait là en bois là pour aspirer. Ou j'en sais rien. Ou une grosse poignée de porte. Ou... Enfin, c'est lourd. Hein. Voilà, et ça sonne toujours à côté parce que ce truc là était en surface. Et que je vous dise pas de bêtises, j'ai vu un gros module sortir en même temps que ça, donc ça fait plaisir. Je pense à une médaille ou voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Alors, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça va faire une mise au point? Je ne sais pas. On va dire la sortir de sa motte. Donc, c'est un. Il est assez épais. Hein. C'est assez épais. Alors, je vous dis pas la galère. Est-ce qu'il pleut à verse? Ben là, on voit bien une petite dame. Là. Bon, je dirais que c'est Marianne. Non, je sais pas. Attendez, j'essaye de bien nettoyer. S'il faut, c'est une 10 centimes CRS. Alors, je vois bébé. Et je crois que c'est un décime qui est écrit. Enfin, on verra mieux au nettoyage. Donc, je vous fais une petite mise au point si ça veut bien. De toute façon, il n'y a pas de... On voit rien là. C'est écrit atelier bébé. Je crois que c'est un 10 décimes ou un truc comme ça. Et puis, bah, là, on voit une petite dame. Donc je vous montrerai au nettoyage, je vous mettrai une petite photo. Enfin, voilà. Bon, bah ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir, elle a l'air assez épaisse. Je sais pas ce que c'est. Donc je vous en dirai plus par la suite. Et bah je continue, hein, du coup. Même si je me fais tremper la gueule, hein, je continue. A plus les amis. Salut les amis. Bon, bah le trou, en fait c'est une révo, hein, je pense. Dites-moi si je dis des bêtises, hein, parce que je connais pas toutes les pièces. Je crois que c'est une Revo, un décime de l'an 7. Alors je verrai mieux au nettoyage, hein, mais en tout cas, ça sera ma première. Et bah, du coup, ça fait plaisir, hein, de trouver des belles découvertes comme ça. Là, ça, j'ai bien fait de sortir aujourd'hui, franchement. Et puis bah là, vous voyez, hein, encore en surface presque. Hein. Bon, celle-là, par contre, elle est abîmée à mort. Elle a pris de ses coups sur la tronche. Je sais pas si vous pouvez bien voir avec la vidéo. Mais il y a trois griffures là, sur tout le long. Là. Donc à mon avis, petite dédicace à encore mon petit Michoco. Elle est mouillou. Bon, bah, on s'attarde pas là-dessus. Hein. Et puis je vous dis à la prochaine découverte. Salut les copains. Bon, après la dernière vidéo, c'était il y a 10 minutes. Bon, moi j'ai fait des douilles. Hein, et puis, chose intéressante, hein, je pense un bon pour 50 centimes. Mais alors là, ça fait plaisir. Franchement.
Vous verrez la beauté de la pièce. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Alors, petite mise au point, s'il te plaît. Regardez-moi ça si elle est pas magnifique. Bon pour 50 centimes. Elle est magnifique. Chambre du commerce. 1922. Alors franchement, ça fait plaisir. Elle est magnifique. Ne vous inquiétez pas, c'est mon portable qui crée des interférences. Sur ces belles images, je vous laisse et je continue. A plus les amis. Les amis, c'est encore moi. Bon, un trou bien galère là. J'ai galéré à la trouver, la petite monnaie. J'ai vu que c'était une petite monnaie. Donc c'est blanc, mais c'est pas une blanche. Hein. C'est une 1 franc 1949. Elle est magnifique. Hein. Elle est vraiment de toute jeunesse. Alors, petite mise au point, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous verrez mieux avec, après nettoyage. Donc, c'est une 1 franc. C'est pas. C'est Morlon, non? 1 franc Morlon. Je crois que c'est une 1 franc Morlon, mais je vous dis peut-être des bêtises. En tout cas, ça fait plaisir. Franchement, elle est magnifique. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous reprends si je trouve des. Si je trouve une prochaine trouvaille. Les amis, nouvelle trouvaille. Regardez-moi ça. Moi, je vous dis un Napoléon en or. Eh ouais. Attention, ça rigole pas. Je vous la sors et comme ça, vous allez contempler la beauté. Vous y croyez. Hein. Et non. C'est juste une 5 centimes Marianne. Récente, elle est récente. Allez, petite mise au point serait sympathique. Et voilà, petite 5 centimes. Et ben monnaie quand même. Ça fait plaisir quand même. Voilà la petite Marianne, cheveux au vent. Allez, à la prochaine les amis.